Mon père, regarde-moi que. Regarde-moi que. Mon beau-père. Hey. Aïe. Mon beau. Calme-toi, calme-toi. Aïe. Il paraît que tout ne va pas bien avec toi. Oh oui, tout ne va pas bien du tout. D'ailleurs, le pire est arrivé. S'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Non, calme-toi et parle-moi. Je suis ton beau. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Je suis venu juste t'informer maintenant. Parce que, une fois quitté ici, j'irai commettre un meurtre. Hein? Aussitôt poser mes pieds dans ma maison. Attends, beau, s'il te plaît. Quel fait exactement cette fois-ci? Parle-moi. Au moment où je te parle maintenant, ce garçon inutile est avec ta fille dans ma chambre sur notre lit conjugal. Hey, hey! Oh mon Dieu! Vraiment? Vraiment? Oh. Tu veux nous dire que Obiachulu a emmené Kemefuna dans ta maison? Mon gardien Okene m'a appelé il n'y a pas longtemps pour m'informer que ce garçon est entré chez moi dans ma maison. Je vais l'attraper. J'irai doucement, justement pour l'attraper. Oh oui, au moment de l'action. Oh oui. Elle sait que je ne veux pas rentrer maintenant. Abo, attends, s'il te plaît. De grâce. S'il te plaît. Viens. Viens prendre les cadavres de ta fille maléfique que tu m'as donné comme femme. Hey. Ebuka, vas-y, suis-le. Papa, si j'arrive là, je vais me rassurer de briser les coups de Obiachulu avec mes mains. Va, vas-y. Va sauver la situation. Oh frère, s'il te plaît. Bon frère, s'il te plaît, non? Attends. Aujourd'hui, bon, je fais quelque chose de très désagréable. On peut bien le résoudre. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Que vais-je encore faire pour cette fille? Tu ne peux pas me tuer, Obiachulu. S'il te plaît, tu dois partir maintenant. Ok, je m'en vais. Mais tu dois comprendre ce que j'ai dit. Tu dois partir. Quoi? Il est là. Attrapez-le. Dépêchez-vous. Laissez-le. Toi. Mon mari. Hein? S'il te plaît, mon mari. Ok, c'est ce que tu fais. Toi, la fille du diable. N'importe quoi. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Oh, mais tu nous. Stupide que tu es. Obiachulu, c'est donc comme ça que tu veux amener la honte dans notre famille, hein? Une femme sans honte. Non, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Aïe. Je n'ai rien fait. Allez, la femme, ferme-la. Je vous jure. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faisait à la maison où il n'y avait que vous deux? Rien. Pourquoi a-t-il pris fuite quand il nous a vu venir? Hein? Pardon. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous comme pensez. Tu n'as pas de honte, je vais te punir devant tout le monde. Non, oui. Ce n'est pas ça. T'es prévenu. Ce n'est pas ça. Je vais te faire marcher toute nue. Tu vas marcher nue dans tous les coins. Quoi? Qui est ton mari? Savais-tu que tu étais une femme mariée lorsque tu étais en train de faire ces bêtises? Hey. Mais savais-tu? Non, c'était pas ça. C'était rien. Regarde, dis-lui de se déshabiller. Laisse-moi tranquille. Non, non. Je m'en fous. Je vais le faire. J'en finirai avec toi. Tu marcheras nu dans tous ces villages. Je suis déterminé.
Mon beau frère. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. J'hésite un peu pour toi. Elle serait déjà lui en train de marcher maintenant. Mon beau frère, s'il te plaît, je t'en prie. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Je te supplie. Ok, attends. Donne-moi juste une seule raison pour laquelle je ne devrais pas la faire marcher nue dans ces villages. Non, s'il vous plaît. Une seule raison seulement. Vas-tu la fermer? Mon beau frère, s'il te plaît, je sais qu'elle a mal agi. Mais s'il te plaît, juste donne-moi l'occasion de la finir à ma manière. D'ailleurs, vous devez me rembourser la dot que j'avais payée dans votre famille. Ah. Je ne peux pas continuer de vivre avec une sorcière au nom du mariage. S'il te plaît, beau mariage. Frère, calme-toi. Calme-toi, je sais que tu es énervé. Mais s'il te plaît. Tu as vu ce que tu as posé? As-tu vu ça? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait ça. Vraiment. Qu'est-ce que les gens diront de ça? Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu? Mais je te jure, je te jure. Mais va supplier ton mari, non? Tu veux me supplier, moi? Je t'en prie, pardon. Oh bien Dieu, pourquoi? Oh bien Dieu, pourquoi? Pourquoi? Qui t'a envoûté? Oh, dis-moi, qui t'a envoûté, oh Biadjoulou? Qui a mérité une femme décente toute sa vie? En fait, je l'ai épousée en tant que vierge. Et aucun autre homme n'a vu sa nudité jusqu'à sa mort. Juste 6 mois. Juste 6 mois, oh Biadjoulou. Tu es ramené. Ton mari est toujours venu dans cette maison avec beaucoup de plaintes par rapport à ton infidélité. Finalement, regarde là où ça t'a conduit. Regarde là où ça t'a conduit, oh Biadjoulou. Hey! Papa, cette fille a été un véritable problème dans cette famille. Hein? Non, mais dis-moi pourquoi, oh Biadjoulou, qui est si belle, si jeune et vibrante, voudrait se marier à un homme qui a presque l'âge de son père, si ce n'est que sa vision réduite de la vie qui a fait qu'elle soit mariée aujourd'hui. Hein? Papa, toi et moi savons très bien que personne ne pourra se marier à une fille qui a mis au monde dans la maison de ses parents. Hein? Mais elle a encore le courage d'amener ce bâtard dans la maison de son mari. Hein? Maintenant que le vieillard qui avait voulu l'enlever de la honte dans la maison de son père l'a ramené à la maison. Oh bien Dieu, l'une des Konangai, au monument Mosali, qui va t'épouser? Non, Ebuka, laisse-la. Je vais l'épouser. N'est-ce pas ce qu'elle veut? Elle va devenir ma nouvelle femme. C'est ça, non? Elle va remplacer sa feu mère. Vas-tu te lever et faire entrer ses bagages? Lève-toi, papa dit de faire entrer tout ça à la maison. Tu étais heureuse quand tu faisais ça, n'est-ce pas? Maintenant, tu as vu la fin de ta folie. Qui s'est jeté du bateau dans l'eau ne doit pas dire que le bateau n'était pas proche de lui. Papa, si seulement je n'étais pas là, cet homme était prêt à la faire marcher toute nue. Remercie Dieu puisque j'étais là avec toi. Quel crime ai-je commis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je mérite vraiment ce genre de traitement de ma famille? Ikem, tu ne pouvais pas du tout venir ici. Non, mais tu ne vas pas continuer comme ça.
pas entendre ce que je voulais te dire, c'est très important, ok? Allons les dire. Ça, c'est vraiment un mariage très compliqué. Si je continue comme ça, je risque même de mourir. C'est pourquoi je suis ici. Tu ne peux pas continuer de vivre le reste de ta vie comme ça. Tu ne peux pas être piégé dans ce genre de mariage. Ça n'a pas de sens. J'ai des plans, ok? Quel plan? Comme l'homme qui est mon père m'a rejeté, et les parents de ma mère aussi. Et comme ton père et tes oncles ont refusé de te laisser épouser un bâtard comme moi, comme ils l'ont dit. Et comme notre amour si ne peut jamais mourir, pourquoi ne pas prendre notre destin en main? Comment? Je viens d'arriver de Tourcoing. Ok, il y a une ferme là-bas. Il y a plein de gens à travers le pays qui vivent avec leur famille. Tout ce dont nous avons besoin, c'est juste le matériel. Construire notre cabane et vivre heureux. Nous pouvons aller vivre dans cet endroit, vivre notre vie, se marier et faire notre famille. Oh, tout beau. Oui. On peut faire des enfants là-bas et prendre soin d'eux. Vivre notre vie comme tous les autres. Ils sont tous établis là-bas et oublient leur famille. Tu veux que j'oublie ma famille juste comme ça? Quel choix avons-nous? Ton bonheur est ce qui compte à ce point. Notre bonheur doit être notre priorité en ce moment. On doit être heureux, on doit faire ce qui nous rendra heureux. Comme ils ont refusé de nous écouter, de nous entendre et partager avec nous tout ce que nous disions. Nous ne pouvons pas continuer à traverser cette humiliation, ok? S'il te plaît, viens. Viens. Viens dans mes bras. D'accord. Ikem, s'il te plaît, je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas. Tu dois partir maintenant. Tu sais que je suis mariée. Moi. Je ne peux pas du tout le faire. Tu dois partir. Mais tu penseras à ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Pars d'abord, on le verra après. S'il te plaît, tu okay, dois partir maintenant. Mais tu dois comprendre ce que j'ai dit. Oui, vas-y, vas-y. Quoi? Mais on n'y a rien, n'y a rien. Mon mari, il n'y a rien. Mon mari, il n'y a rien, mon mari. Non, il n'y a rien, mon mari. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, s'il vous plaît. Il n'y a rien. Ah! Juste parce que j'ai décidé de suivre l'homme que j'aime. Mon Dieu. Ne suis-je pas permise d'aimer l'homme de mon choix? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vois personne qui peut m'aider à transporter mes bois ici. Alors j'enlève quelques bois. Tu n'as pas besoin. Veux-tu venir dans cette forêt plus d'une fois avant de pouvoir faire rentrer ces bois à la maison? Ça, c'est du travail, hein? Ok, je vais t'aider à prendre ça. Non, ne t'inquiète pas, je veux le faire moi-même. Je vais t'aider à prendre ça, je me porte volontaire pour le faire. Je dis merci, je veux le faire moi-même.
Attends, tu vois, je te l'ai dit. Je t'ai dit que tu ne peux pas prendre ça. Tu vas te faire mal. Laisse-moi t'aider à prendre ça. Tu n'as pas besoin de venir ici plus qu'une fois. C'est ça le problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais le diviser alors en deux. Peux-tu arrêter d'être optimiste et laisse-moi t'aider? Bien, si tu ne veux pas que je t'aide, moi je vais partir. Je voulais juste t'aider. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, donne-moi le fusil. Ok, tu peux prendre mon piège, le sac et la machette. Ok, quelle direction? Ok, on y va. Laisse-moi t'aider. Je vais te donner les faire descendre. En tout cas, merci énormément. Tu m'as vraiment aidé à le transporter. C'est tout un plaisir pour moi de t'aider. Je dois vite retourner dans la brousse. Ok, merci beaucoup. Puis-je les avoir, s'il te plaît? Ah, tes affaires. Merci beaucoup. À plus, hein? Merci, oh. Oh. Tu dois bien te reposer aujourd'hui. Merci. Merci. Hey. Ce pain a beaucoup de poussière. Reviens, Tulo. Papa? Qui était ce garçon qui est venu déposer ses fagots de bois? Oh, papa, c'est Ikeme Funa, le fils de la tante Neka. Pourquoi? Oh, pourquoi? Je ne comprends pas, papa. Pourquoi c'est lui qui devrait apporter les fagots de bois pour toi? Papa, j'ai transporté beaucoup de charges aujourd'hui, papa. Alors il a préféré m'aider, s'il te plaît. Laisse-moi emmener ça là-bas, papa. Ah. Oh. Ça va. Mais écoute-moi bien. Écoute. Partout où va ses pieds, l'œil le voit. Papa, laisse-moi emmener ça là-bas. Je t'en prie. Ah, non. Pourquoi papa est négatif, même pour un simple petit geste venant d'un homme inoffensif? De quel geste es-tu en train de parler? Hein? Et qui est inoffensif ici? Écoute, Ebuka, son père ne peut tout de même pas être bon. Hey. Mais lui n'a pas ce comportement. Et il est inoffensif à ce que je sache. Ce qu'il a fait n'est juste qu'une aide à mon égard, c'est tout. Une aide à ton égard, Obia Djulu? Est-ce que tu peux juste t'entendre? Et donc, tu commences à défendre cet idiot? Hein? Nous en sommes arrivés là, vraiment? Écoute, je ne sais pas ce que toi et papa est en train de dire. Il m'a juste aidé dans une situation difficile, c'est tout. Je ne sais pas, je n'arrive pas à vous comprendre. Alors, pourquoi as-tu passé une longue durée avec lui dans la brousse? Juste pour du bois ordinaire. Hein? Hein? Papa a dit que vous deux avez passé beaucoup de temps dans la brousse. Dieu sait ce que vous faisiez. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais inquiet, croyant que quelque chose s'était arrivé. Jusqu'à ce que tu amènes cet idiot-là dans cette maison. Ebuka, il n'y avait personne qui pouvait m'aider à transporter les bois là-bas. J'étais là pendant beaucoup de temps, il n'y avait toujours personne. Et j'étais là, je ne pouvais pas toujours continuer. Écoute bien, Tudo, je considère ceci comme des bêtes excuses. Écoute, que ce soit ton dernier avertissement. Laisse-moi te le dire comme dernier avertissement. En fait, si tu veux faire quelque chose dans ce village, que ce soit un homme responsable, pas avec ce bâtard, avant qu'il ne te détruise avec son sang ruiné, je ne t'avertirai plus sur ce sujet. Stupide fille. Bipichi Pawa! Bipichi Pawa! Bipichi Pawa! Les élections qui viennent sont les nôtres. Oh, oui, oui c'est ça, la grâce divine. Effectivement. Il est temps que ce clan soit bien représenté à l'Assemblée nationale du Nigeria. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ça. Si je vous ai appelé aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement pour que vous votiez pour moi. Car je sais en réalité que toute personne de ce clan doit voter pour moi. Oui, c'est ça. Oui, oh. Oui, oui. Je suis sûr que ce sera le cas. Effectivement. Oui. Mais si je vous ai appelé aujourd'hui, les gars,
C'est surtout pour vous tenir au courant et au besoin vous orienter sur ce qui se passe. Ces jours-ci, les violents en tirent profit par force. Oui, 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 oui. Ces jours-ci, la violence est à l'ordre du jour. Oui, oui. Exact. Oui. Et ces jours-là, oui, des élections, s'ils veulent que nous fassions l'impossible, on le fera. Oui, oui, c'est ça. Oui, si on va le faire. On se battra. Oui. S'ils veulent qu'on meure, oui, on mourra ce jour-là. Oui, on va se battre. Vous voyez ces élections, nous devons les vaincre. Oui, oui. DPC. Power. DPC. Power. DPC. Power. Je sais bien comment les choses fonctionnent. Alors j'ai amené l'argent, 200 000. C'est ça. Ok, prends. Partage, hein. Partage l'argent. Ok, merci. DPC. Vous avez vu cet argent que notre candidat nous a apporté? Oui. C'est un engagement. Lorsque tu prends ta part, oui, lorsque tu prends ta part, tu feras partie de sa campagne. Tu dois être là. Tu dois être là. Oui, parce que ça va chauffer. Si tu n'es pas prêt, il est temps de partir. Je répète, tu dois être là si tu prends ta part. Alors, on va leur dire, oui. On va leur faire savoir que nous sommes des hommes. Oui. On a des hommes. Oui. On a des hommes. Oui. Dans cette communauté. Oui. Salut. Salut. Oui. Tu ne te rappelles plus de moi? Oh bien, Julo, la fille que tu avais aidé à transporter le bois dans la forêt. Bien sûr, je me souviens de toi. Je t'ai aidé à transporter ton bois de chauffage parce que je pensais que tu avais besoin d'aide et je n'attendais rien en retour. Je sais, je t'ai vu quitter la réunion lorsqu'ils voulaient partager l'argent. Et j'étais là lorsqu'ils étaient en train de dire qu'ils voulaient partager l'argent. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais qu'ils veulent partager de l'argent. Ils veulent le faire avant que je ne quitte le lieu. Tu n'as pas besoin d'argent? Ils ne vont pas me donner. Vaut mieux que je quitte cet endroit au lieu de rester et se voir humilié après. Passez une bonne journée. Tu t'inquiètes pour lui. Il a fait ce qu'il fallait. Il ne pouvait tout de même pas s'attendre à ce qu'on lui donne une part. Ça, c'est de la méchanceté. Quelle méchanceté! Qu'il aille au village de son père collecter sa part. Il ne peut pas s'attendre à avoir l'argent d'un village dont il n'est pas ressortissant. Attends. Mais vous savez bien que ce garçon, sa mère est de ce village. Et alors? Cela fait-il de lui un enfant de ce village? Hein? En tout cas, vraiment, c'est vraiment la méchanceté. C'est vraiment très méchant. Merci. Il est toujours dans son coin. Et puis il est du genre à être calme. C'est à peine s'il parle. Ma chère, il a été rejeté par tout le monde ici. Je veux dire, les gens de traitement que tout le monde lui donne ici n'est pas du tout humain.
Il n'a pas de choix que de partir comme ça. Peu importe. Ce que je veux dire est qu'il est toujours silencieux. Est-ce que c'est sa nature ou est-ce qu'on l'a forcé à devenir comme ça? Je ne le sais pas. J'en sais rien, il est toujours réservé. Ce que je dis est que les gens doivent bien le traiter. Ce n'est pas normal ce qu'ils font. Ça m'énerve en fait. Ce n'est pas vraiment normal ça. Tu es là depuis longtemps? Oh, Ada, tu es venue pour chercher de l'eau? Oui. C'est bien. Désolée de te déranger. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu es toujours seule? Je ne t'ai jamais vu avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est de ma nature. Non. Dieu n'a pas créé un humain pour être tout seul sur cette terre. Il a créé les humains pour toujours être ensemble, tu vois? Oui, je sais, mais je... Mais quoi? C'est une longue histoire, je suis sûr que tu le sais. Non, je ne sais rien. J'aimerais entendre cette histoire. Je ne vais pas te déranger avec mon histoire, ça va, t'inquiète. Non, non, écoute, tu n'es pas en train de me déranger, pas du tout. Tu es vraiment un bon homme. Tu as un bon cœur, je veux dire, tu ne mérites pas d'être comme ça. S'il te plaît, juste, laisse-moi porter ma croix. Écoute, je ne te laisserai pas porter ta croix. Écoute-moi. Hey. Autrefois, tu ne m'avais pas laissé porter la mienne. Alors, comment pourrais-je te laisser tout seul? T'inquiète, tu peux laisser, c'est pas grave. Maka. Oui, papa. Où est ton ami? Je pensais que vous étiez allés à la rivière ensemble. Oui, papa. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec Elo. Elle a refusé de rentrer avec moi pour rester avec ce stupide garçon. Quel stupide garçon? L'autre bâtard là, c'est quoi même son nom? Ikemefuna, papa. Ikemefuna. Hein? Hey! J'ai traversé beaucoup de choses terribles. Tant de fois, j'ai voulu me suicider. Mais à la fin de tout, j'ai décidé d'embrasser la vie, telle que tu le vois. Tu pleures. Je n'ai jamais connu la joie. Je n'ai jamais connu le bonheur. Je suis isolé. Personne ne veut m'approcher, sauf ma mère. Je suis traité comme un lépreux. C'est comme j'ai une maladie contagieuse qui peut infecter toute personne que j'approche. Je suis né de la même manière que toute autre personne. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, Adjani, aïe. Tu m'as déçu. Tu es bel et bien au courant qu'on ne peut pas se marier avec une autre tribu. Ah! Et surtout pas la tribu Igbo. Igbo! Où est-ce que c'est mon cas, moi? On ne se marie jamais avec eux. Ah, je suis un Yoruba. Et ces gens sont comme nos ennemis. Toi, tu ne peux jamais l'épouser. Jamais. Papa, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Papa, elle m'a déjà donné un enfant. Je vous en supplie. On a déjà eu un enfant. Ah, tu vas fermer cette bouche-là. Tais-toi. Tu es une disgrâce pour cette famille. Et tu as le courage de parler. Fais gaffe. Tu es une disgrâce pour cette famille. Nous t'avons envoyé à l'école pour aller apprendre à lire et à écrire. Nous t'avons envoyé à l'école pour apprendre. Tu es allé là-bas, tu as commencé à faire autre chose. Tu commences à vivre avec une femme. T'as venu envoyer à l'école pour apprendre le mariage ou nous ramener un diplôme. Demande-lui, oh. Femi. Demande-lui. Femi. La disgrâce de la famille. On a déjà un problème ici. Hein? S'il vous plaît. Cherchons comment trouver une solution au lieu de chasser cette femme. Elle est quand même la mère de mon fils, voyons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensons plutôt comment trouver une solution au lieu d'ajouter encore des problèmes sur elle. Elle en a déjà assez. Tais-toi. Bien, comment tu t'appelles? Neka, monsieur. Neka. 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 Mais c'est quelle sorte de nom comme ça? Neka. Vraiment. Tu ne te marieras jamais à mon fils. Neka, tu ne vas pas te marier à mon fils. C'est contre ma tradition et la coutume des Yoruba. Je vous en prie, notre ancien. Mon fils, c'est pour mets-toi d'abord. Je vous en prie. S'il vous plaît, acceptez-moi. Et arrête, va là-bas. Pardon. On t'accepte comme qui? Comme Igbo. Qu'on t'accepte dans cette maison. Cela ne va jamais arriver. Tu veux qu'on t'accepte? Attends, ne te dérange pas. Laisse-moi lui parler. Vas-y. Tu es une fille honteuse. Tu n'es pas digne. D'ailleurs, tu n'as même pas honte. Tu es inutile. Tu es une fille maudite. Tu n'as rien à faire ici. Tu veux vivre avec un homme qui n'est pas ton mari. Il t'a rendu grosse. Maintenant, tu es en train de me dire, tu ne peux pas amener cet enfant auprès de ton peuple. Où veux-tu l'amener alors? On ne veut pas de ton enfant. On ne veut pas de ton bâtard là. N'ose pas nous énerver ici. Hein. N'importe quoi. Et tu as... Tu as le courage de te mettre à genoux et nous supplier, nous dire que tu es désolé, que tu es ceci, cela. Allez, sortez, faites vite. Mes anciens, pitié. Mes anciens, pitié. Pour l'amour de mon enfant. Papa, écoute-moi. Je vous en prie, acceptez-moi. Amen. Amène cette chose loin de ma maison. Vous pouvez vivre dans la rivière ou vivre dans la brousse. Ah. Ça m'est égal. Oh. Sortez de ma maison. On ne peut pas se marier avec un Igbo dans cette famille. Et toi, au moins, les, dis-moi, tu es la disgrâce de cette famille. Olu Nyoyo n'acceptera jamais qu'on se marie avec un Igbo. Sortez de ma maison. Oui, sortez. Sortez. Sortez vite. Allez, sortez. Mais, sortez de cette maison. Oh. Sortez, j'ai dit. Mon père m'a rejeté. Papa, s'il te plaît, hein, ne sois pas dur envers elle. Elle a quand même un enfant. Elle peut passer de nous ici. Demain, tais-toi, pourra rentrer imbécile. Chez elle. Tais-toi, espèce d'idiot. Ferme ta sale bouche. Tu te trompes. Je ne veux pas voir cette chose et cette femme dans ma maison. Ils doivent sortir de ma maison immédiatement. Ah, papa, fais l'homme pour cet enfant. S'il te plaît. Je vous en supplie. Ne fût-ce que pour l'enfant. S'il te plaît. Ne nous fais pas ça. S'il te plaît, vraiment. Je n'ai pas d'autre endroit où l'amener. Pardon. Donne-moi l'enfant. Je n'ai pas de place. Oh. Tu peux l'amener dans la brousse, dans la rivière, ou peu importe là où tu veux. Mais sortez d'abord de ma maison. Papa, que je les amène au moins à l'hôtel. Hein? On passera la nuit là-bas. Demain, je vais revenir ici. Hein? De quoi tu parles? Reviens ici. Elle peut aller avec cette chose où qu'elle veille. Mais toi, tu ne bougeras même pas d'une semaine. Je suis ton père. Ah. Mais maman, ça c'est la méchanceté. Oh. Ce n'est pas la méchanceté. Oh mais papa, je vais l'emmener à l'hôtel. Je ne vois pas où elle est mal là. J'ai dit que j'étais ordonné. Je suis ton père. Si tu oses bouger, wallahi, je vais te maudire. Ah, quoi papa? Maudire? Si tu oses bouger.
Je vais te maudire. Elle part et tu restes. Écoute. S'il te plaît, je veux que tu prennes ceci, hein. Neka. Ok. Tu vois, lorsque tu vas arriver là où il y a trop de motards là, sur l'arrêt de motards là, tu prends à droite, tout droit, il y a un hôtel devant là. Prends cet argent pour te trouver. On nous voit Femi. Donc tu vas nous abandonner à cause de ton père. Femi. Qu'est-ce qui est arrivé à tout l'amour que tu me promettais? Femi, qu'est-ce qui est arrivé à toute l'affection que tu m'as démontré? Ce qui m'a poussé à te donner mon cœur. Femi, mon âme et mon corps. Et maintenant, tu me laisses m'en aller nulle part. Neka, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi parles-tu comme ça? J'ai demandé d'aller à l'hôtel, qu'est-ce que je fais de mal? Pour ça, tu veux que mon père puisse me maudire? Allez, sors de la maison. Et toi, entre à la maison. Ça me dit bien que l'enfant pleure ou qu'il ne pleure pas. Elle peut l'élever dans la rivière ou dans la brousse. Je m'en fous. Je viendrai demain te saluer. À l'intérieur. Otama Kamisus, laissez mon fils à moi se marier à une fille Igbo. Jamais. Bêtise. Ah, Femi. Femi. Ah, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ça ira. Je suis ta maman, ça ira. Seigneur, j'irai où? Où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai maintenant? J'irai où maintenant? Papa. Je suis fini. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ça va, mon bébé. Ça va. Maman est là. Maman est là. Maman est là. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas, maman est là. Mes parents, Martin et elle aussi, m'ont rejeté. Si tu sais bien le village où ce bâtard appartient, tu ferais mieux d'aller là-bas pour le remettre. Mon Dieu, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis toujours ta fille, je t'en prie. Quand je t'avais envoyé pour aller vivre dans la maison de ton oncle, à Djeboulé, je t'avais envoyé à l'école. Pourquoi tu choisis de quitter la maison de ton oncle et suivre un homme dans sa maison à l'école et vivre avec lui? Pourquoi? Papa... L'oncle avait dit que notre peuple ne donne pas assez de place aux études et que j'étais trop intelligente pour ne pas aller à l'école. C'est pour ça qu'il m'a envoyé à l'école pour que j'achève mon éducation. Voilà papa pourquoi. Et donc c'est ainsi que tu as décidé d'aller vivre avec un étranger qui n'est même pas venu voir tes parents, même pas une fois. Miko, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, j'avais commis une erreur, s'il te plaît, pardon. Je suis désolée, mais je suis toujours ton enfant, s'il te plaît, écoute, je n'ai personne d'autre, je regrette, je t'en prie, pardonne-moi. Mec, écoute-moi très bien. Il y a des erreurs impardonnables qui apportent tant de honte dans cette famille. Et je n'en ferai jamais partie. Tu ferais mieux d'entrer là-bas et de ramener cet enfant bâtard à son village d'origine. Sinon, je vais vous étrangler, vous deux. Papa, tu ne peux pas me... J'ai grandi en ayant les séquelles de cette stigmatisation sur moi. Je suis un enfant rejeté. Donc,
j'ai décidé d'accepter ma situation. Durant toute ma vie, j'ai eu une idée que je vis parmi des hommes pour qui je suis indésirable. C'est comme je suis un papillon parmi des oiseaux. Ce que je ne sais pas, c'est que quand ça va s'arrêter... Ton histoire est vraiment très triste. Je sais. Je sais que je demeure un humain. Tu resteras toujours un humain. Un humain qui a un cœur de Dieu. Tu ne mérites pas d'être puni à cause du péché de tes parents. Tu mérites une bonne vie. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir accordé d'attention. Je me sens différent ce moment. Je me sens spécial. Je te supplie de ne pas m'abandonner. Faut pas les rejoindre. Sois ma raison d'être. Et je te serai très reconnaissant. En ce jour si merveilleux, j'ai découvert tout ce que tu as subi pendant tous ces temps. Bonjour, s'il te plaît. Peux-tu m'aider à transporter quelques bois que j'ai? Je t'en prie. Je n'arrive pas à le faire toute seule. Attends, hein? Donc tu m'appelles uniquement pour que je puisse t'aider. C'est pas bien. Les habitants, nous comme ça, au bien s'il te plaît, viens. Où est ce bois même? C'est là-bas dans la brousse. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Donc je dois te suivre là-bas, dans la brousse, uniquement pour prendre les bois. Tu entends ce que tu dis là? Alors les gens vont dire quoi? Et si on nous voyait? Hein? Ikine, s'il te plaît, ça pèse tellement, je n'arrive pas à Non, s'il te plaît, tu n'es pas sérieuse, je m'en vais. Mon Dieu! S'il te plaît, viens m'aider avec le bois, ça pèse tellement. Je t'en prie, s'il te plaît. Mais c'est quoi le problème? Tu ne t'entends tout de même pas à ce que quelqu'un entre dans cette brousse pour t'aider à transporter du bois? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Viens m'aider à le transporter. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas m'aider? Regarde, soit tu transportes ces bois jusqu'ici, ou tu les divises en petits morceaux que tu peux transporter. S'il te plaît, va-t'en. Ce n'est pas un truc à être méchant. Qui est méchant dans cette affaire? C'est toi-même qui es méchant envers toi-même. Ok. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Fais-le. Ou alors, attends un ange. Et où? En tout cas, ces gens sont très méchants, je n'arrive pas à comprendre. Juste pour m'aider avec le bois. Oh, mon Dieu.
Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui arrive. Celui-là ne parle même à personne dans ce village. Il marche en parlant lui-même comme un imbécile. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas vu quelqu'un qui peut m'aider à transporter mes bois ici. Alors, je vais les scinder en deux et je pourrai revenir après pour le récupérer. Veux-tu venir dans cette forêt plus d'une fois avant de pouvoir faire rentrer ces bois à la maison? Ça, c'est du travail, hein? Ok, je vais t'aider à prendre ça. Ne t'inquiète pas, je vais le faire moi-même. Je vais t'aider à prendre ça, je me porte volontaire pour le faire. Je dis merci, je vais le transporter moi-même. Je t'ai dit que tu ne peux pas prendre ça. Tu vas te faire mal. Laisse-moi t'aider à prendre ça. Tu n'as pas besoin de venir ici plus qu'une fois. C'est ça le problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais alors le diviser en deux. Peux-tu arrêter d'être optimiste et laisse-moi t'aider? Bien, si tu ne veux pas que je t'aide, moi je vais partir. Je voulais juste t'aider. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, donne-moi le fusil. Ok, tu peux prendre mon piège, le sac et la machette. Ok, quelle direction? Ok, on y va. Maintenant, je le sais bien. Je promets de ne pas le joindre dans leur discrimination à ton égard. Je te promets d'être ta raison de vivre et non de mourir. Merci. Merci beaucoup. Je dois déjà partir. Mon père et mon frère. Oui, je comprends. S'il te plaît, je veux qu'on se voit encore comme aujourd'hui. Je promets, nous resterons ici pour toujours. Merci. Hey! Papa, la voilà. Papa, bon après-midi. Hé, toi, viens ici. Viens ici. Donc, Obia Djolo, donc tu as décidé de ruiner ta vie. Non, donc tu as fait le choix d'embourber l'image de cette famille.
Écoute ceci. Ouvre grandement tes oreilles et écoute-moi très bien. Un poussin qui danse devant le vautour s'amuse avec la mort sans le savoir. Obiatulo, tu m'as profondément déçu. Hey! Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Papa, tu l'entends? Tu sais pas ce que tu as encore fait cette fois-ci. La dernière fois qu'il t'avait suivi à la maison, tu as dit que le jeune homme n'a fait que t'aider de tout son cœur. Oh! Maintenant, et aujourd'hui? Et aujourd'hui, et tu me regardes? Obiamaka qui était à la rivière au même moment avec toi est revenu, ça fait une heure de temps déjà. Depuis longtemps. Et toi, que faisais-tu à la rivière? Non, dis-moi, que faisais-tu à la rivière, Obiadoulou? J'étais avec... Tu étais avec qui? Avec... Oh, oh, oh! Tu as même honte de mentionner son nom. Tu vois ta vie? Obiadoulou, tu vois ta vie? Obiadoulou, laisse-moi même te demander. En regardant tous les garçons de ce village, pourquoi cette chose? Je ne sais pas. Sa présence même devrait te donner la nausée. Bien sûr. Obiadoulou, es-tu si moins cher? Hey! Mais papa, c'est un humain. Hey! Tais-toi! Je parle, tu parles aussi. Qu'est-ce que tu connais? Obiadoulou, parle-moi. Qu'est-ce que tu connais? Quelqu'un dont on ne peut même pas tracer le père depuis Idjebouode. Idjebouode? Vraiment? Tu connais Idjebouode? Ha! Oh oh! Obiadoulou, hey! Obiadoulou, hey! Papa, laisse-moi déposer mon bidon à l'intérieur. Obiadoulou. 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 Mon cher, lave tes mains. Hey, voilà la personne qui nous a aidé à puiser de l'eau ce matin. Il est extrêmement joyeux. Maman, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie jusqu'à présent. Vraiment? Je te dis. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui rend ce jour si spécial? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné d'attention. Quelqu'un qui a cherché à discuter avec moi durant 1h30. Maman, je me sens léger, je me sens élevé, je me sens comme un être humain. Si je savais que l'amour qui m'était promis par ton père, que c'était des mensonges, je n'allais pas lui faire confiance. J'ai du mal à voir mon fils être traité d'un paria. Ça, ce n'est pas le rêve que j'ai toujours eu pour mes enfants. J'ai toujours voulu élever mes enfants d'une manière convenable, avec beaucoup d'amour et une bonne vie que j'avais. Ça va, non? Tu m'as donné du mieux que tu peux. Tu es toujours là pour moi. Si ce n'est pas à cause de toi, j'allais me suicider. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Ne crois pas à ces pensées erronées. Je ne pense plus à ces gens d'idées. Parce que j'ai une raison de sourire et tu es toujours là pour moi. Et j'ai aussi quelqu'un de très spécial qui se soucie de moi. Ok. Au moins tu les reconnais. Tu as stimulé mon appétit. Aïe, 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 aïe. Non. Maman? Et tu pars déjà? Oui. S'il te plaît, je vais discuter quelque chose avec toi. Ah bon? Tout va bien? Oh, de moi. Il n'y a rien de grave. Juste donner un conseil comme une vraie mère. Je vais juste te dire d'oublier ce qui s'est passé hier la nuit. Tu ferais mieux d'être prudent. Ces gens ne nous aiment pas. Maman, elle est différente. Non. Elle n'est pas différente. Maintenant, tu penses qu'elle est différente. Ce n'est pas vrai.
éventuellement elle peut te montrer qu'elle est gentille. Alors qu'elle ne l'est pas. Je dois m'en aller. Sois sage, hein. Salut. N'es-tu pas content de me voir? Je serais heureux si je savais que tu ne me quitteras pas un jour et me tourner le dos. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te comprends pas. Écoute, je sais que tu pourrais vouloir combattre ma malédiction, mais la vérité est que tu ne peux pas gagner ce combat. Vos parents ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas non plus ma mère. Donc, je te conseille d'arrêter ça et de t'éloigner des stress. Nous nous sommes bannis. Et je sais que c'est une question de temps. Bientôt, toi aussi, tu vas commencer par me traiter comme les autres. Alors, pourquoi penses-tu que je ne serai pas du tout m'attacher à toi? Parce que ce n'est pas une bataille que tu peux gagner. C'est une question d'un homme contre toute la communauté. Écoute. Je n'ai même pas pu bien dormir la nuit. Je ne faisais que penser à toi et tout ce que tu as eu à me raconter. Tu as vraiment pensé à moi? Oui. Et toi, là, maintenant, tu es en train de douter de mon attachement. Ikem, je suis ton ami. J'aimerais être la raison de ta joie. Ta raison de vivre et non de mourir. Tu es sincère que tu as pensé à moi comme tu l'as dit? Oui. Je suis en train de regarder si je pouvais te voir passer ici. Mais je ne t'avais pas vu. Alors je pars déjà prendre ma botte de bois. Oh, ok, ne t'inquiète pas, je t'accompagne pour t'aider. La porter chez toi comme je l'ai fait l'autre fois. Non, non, merci, je veux le faire moi-même. Tu vois? Tu joues seulement, tu n'es pas contente de moi. Tu ne veux pas que tes parents nous voient ensemble, n'est-ce pas? Non, non, c'est juste que... C'est quoi? C'est... Ok, d'accord. Tu peux venir m'aider à transporter ma botte de bois. Ok, montre-moi la voie. Ouais. Laisse-moi prendre mon piège. Mon Dieu, tu vois ça? Ma chère, c'était de la folie. La folie en personne. Ah, c'est plus partant. Stronger than I feel. Love I have for you. Just so strong. Merci. Merci énormément. Merci. Merci. C'est tout un plaisir pour moi de t'aider. Merci. Permets-moi d'aller vérifier mes autres pièges pour voir s'ils ont attrapé quelques gibiers. D'accord. Laisse-moi voir ça. Tu vas trouver un gros gibier, d'accord? Amen. Merci, hein. D'accord. Merci énormément. Bye. Merci. Bye. Qu'est-ce que... Ebuka, s'il te plaît, si c'est à propos de Ikemefuna, je n'ai pas de force pour ça maintenant. Hein? Oh non! Ma soeur est envoûtée. Je n'ai pas de force. S'il te plaît, fais-moi passer. Oh bien, Djolou. Et donc, on t'a envoûté. Arrête ça, laisse-moi tranquille. Ah. Toi, espèce de sale bâtard, tu as envoûté ma soeur, n'est-ce pas? Ok. Pas de problème. Va t'occuper de tes affaires, c'est quoi? Ok, papa va apprendre ça. Voyez-moi, c'est Yoruba. On verra alors. Let them shoot us. I don't care. I don't care.
Nina. Maman, laisse-moi te parler. Elle est attachée à l'amitié. C'est vrai. Très, très attachée. Il fallait voir comment nous marchions ensemble dans la rue, nous deux. La main dans la main, elle s'en fout. Elle ne s'inquiète même pas de ce que les gens disent. Ezoku. Je te dis, maman. Tu as fait une grande chasse aujourd'hui. J'ai fait une grande chasse aujourd'hui. Tu sais la bonne nouvelle? Quoi? Quand je vais chasser, elle m'a dit que je ferai de la bonne prise. Tiens. Et cela s'est passé exactement comme elle l'a dit. Elle est clairvoyante. Elle est vraiment perspicace. Je suis très contente que tu sois autant heureux. Je suis très heureux. Non, non. Merci, maman. On doit préparer celui-ci. Oui, non. Laisse-moi aller les déposer dans la cuisine. C'est bien, mon fils. Maman, maman. Eh, Tiens. Il est tellement content. Enfin, il a une amie. Notre propre est au point de passer. Oh, hey, Dina, ma beaucoup de viande. Oh, oh, si. De grosses viandes. Après, une viande. Oh, Maman, Felisamoto, Salambango. On va bien manger aujourd'hui. Je l'ai déjà vu. Life is a lesson. Life is a teacher. Nobody can tell. Future of tomorrow. Life is a lesson. Life is a teacher. Nobody can tell the future of tomorrow. You can't predict the destiny of tomorrow. Nobody knows tomorrow. Nobody can tell the future, yeah. Rejected stone has become the chief cornerstone. No matter the condition, no matter the tradition, don't throw your child away. Can tell the future of tomorrow. Excusez, y a-t-il quelqu'un? Ah, Nai, bonjour. Viens. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ma maison? Je suis venu pour voir Obiadjo. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Tu as le culot de me dire que tu es venu dans ma maison pour voir ma fille. Hey. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Attends, laisse-moi te demander. Tu es venu voir Obiadjoulou en tant que ta petite amie ou bien en tant que qui? Naï, elle est... Tu dis quoi? T'as quoi? T'es venu me rendre visite? Désolé. T'es venu chez nous? Comme tu l'as prédit, je l'ai fait. Es-tu sérieux? Je te dis. Donc, je suis venu pour te donner ta part. Avant de se rendre au marché pour aller vendre le reste. Merci énormément, merci. Je suis très contente. Je dois m'en aller maintenant. On se verra à mon retour. Ok, ok. Bonne vente, hein? Toi! Obiadjoulou! Va déposer l'eau là derrière la maison et reviens ici immédiatement. Nous devons parler. Entendez ce que j'ai dit? Hein? Il nous a apporté la viande. Ah, tais-toi, t'as apporté de la viande. La viande que tu vas manger et c'est ta mort. Va déposer l'eau là et reviens ici immédiatement. Viande maudite. Papa, je suis là. Obiadjoulou. Papa. Je veux que tu me dises la vérité. Que veut dire ce jeu que tu es en train de jouer? Que penses-tu en train de faire avec ce garçon? Est-il ton demi-frère? Ou bien est-il ton cousin? Ou bien ton petit ami? Je veux savoir. Non, dis-moi, je veux savoir qui est le garçon pour toi. Papa, il est juste un ami.
Ce n'est qu'un ami. Oh. Oui. Le garçon est devenu Ozuamaka. Ou bien il est devenu Funanya. Si bien qu'il n'est qu'un ami. Nous parlons d'un jeune homme mature qui est capable de changer tes pas dans une période donnée. Oui, qui est capable de t'enceinter. Papa. Je vois. Ne vois-tu pas que tu ne sais pas ce que tu fais? Papa, il n'y a rien entre Ikeme Funa et moi. C'est juste que je n'apprécie pas comment tout le monde dans ce village le traite vraiment comme un esclave. Je fais seulement de mon possible pour qu'il se sente un peu heureux. Et qu'il se sente bien comme tous les hommes de ce village. Oh, c'est merveilleux. Donc c'est toi seul qui as gagné le contrat dans tout ce village. Pour le faire sentir comme les autres êtres humains. N'est-ce pas? Je vois. Merci. Et c'est tout ce que je peux te dire. Je pars derrière. Qui te retient? N'importe quoi. Pourquoi Oh, tu pleures. Tu n'as pas encore commencé à pleurer. Quand je t'avais prévenu de ce garçon, qu'est-ce que tu as fait? Papa, on n'a rien fait ensemble. Ah, tais-toi, grande menteuse. Tu es en train de mentir, fille sans honte. Vas-tu te lever pour entrer dormir? Tu n'as même pas encore commencé à pleurer. Dieu. Ikeme Funa n'est pas toujours revenu depuis hier la nuit. Il n'est pas revenu. Hey! Son téléphone même ne passe pas. Hey! Zambinangayo. Oyori Gambunini. Hey! Essaye encore. Hey. Mon Dieu. Ikeme Funa, je t'avais interdit, je t'avais averti. Oh. Hey. Oh, petit bien-être. Ikemo Funa, juste sois sage là où tu es, oh. Sauve-toi de tout ton biche.
Igemafuna. Igemafuna, comment tu es? Igemafuna. Ogini quoi? Ogini, mais c'est quoi le problème? Nous ne sommes pas venus pour toi. Nous sommes venus voir ton enfant insensé. Oui, 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 oui. Je n'ai pas un enfant insensé. Ok. Nous sommes ici pour voir ton enfant inutile, Ikemefuna. Oui. Pourquoi vous le cherchez? Va à l'intérieur et sors-nous ton fils. Et on lui dira ses crimes. Juste devant lui. Oui. Ouais. Ikemefuna n'est pas revenu à la maison depuis la nuit d'hier. J'essaie de l'appeler, mais son téléphone ne passe pas. Alors dis-lui que nous allons revenir pour lui. Oui, oui. Et oui. C'est là quoi qu'il fasse. Qu'il se cache même dans ta marmite ou n'importe où. Nous, les jeunes de cette communauté, avons décidé de lui donner ce qu'il mérite. Oui, oui, oui. Qu'il le veuille ou non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Poigne autour de l'épisode. Quand il viendra, demande-lui. Les jeunes, allons-nous-en. Ah, madame, tu ferais mieux de parler à ton fils insensé. Allez-vous-en, n'appelez pas mon fils insensé. Regardez-le. Utita. Du coup, Luna. Il va vous battre, non? Qu'est-ce que vous croyez? Il va bien vous battre. Mais moi-même, je vais vous battre une fois que vous allez regretter. Banamami Wata. N'importe quoi. Enfin, s'il te plaît, aide-moi. Tu es le seul à me dire la vérité. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que mon fils a fait? Tu sais, il n'est plus revenu à la maison depuis la nuit d'hier. Je ne sais même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Dis-moi, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Ton fils, Ikemefuna, a eu le courage d'aller coucher avec Obiadjulu? Mensonge! C'est pas vrai! Mon fils ne peut jamais faire ce genre de choses. Je mets ma main dans le feu. Impossible! Et tu es en train de me dire que tu n'es pas au courant de ce que ton fils pratique avec Obiadjulu, la femme de Osandu? Ce qu'ils pratiquent ensemble? Non. Il n'y a rien qu'ils pratiquent ensemble. Parce que mon fils ne peut pas faire ça. Peut-être que tu ne sais pas. Ils étaient en relation avec quelque temps passé. Hein? C'était bien avant que Obiadjulu soit donné à Osandu comme femme. Bien sûr. Après avoir tué mon petit-fils. Regarde, depuis ce temps, mon fils Ikemefuna a arrêté la relation avec Obiadjulu. Alors, pourquoi a-t-il pris fuite? Hein? Yum Dozoko Telebwe, pourquoi a-t-il pris fuite? On l'a attrapé la main dans le sac. Et depuis ce jour-là, on ne le voit plus. On l'a cherché le premier jour, on l'a cherché au deuxième jour, et on l'a encore cherché au troisième jour. Corps à corps? Donc tu veux dire en flagrance, hein? Ah, mais pourquoi tu me... Tu ne me crois pas. Je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Et t'as lieu. Bien. Ikemefuna. Ikemefuna, pourquoi? Comment tu peux défier un homme marié avec sa femme dans son lit conjugal? Tu ne pouvais pas dire non au diable. Regarde comment tu es poursuivi maintenant. Hein? Tu vois comment tu es poursuivi? Mais tu es foutu. Chai, Ikemefuna, mon Angayo. Je ne sais même pas où tu t'es caché, Ikemefuna. Et c'est que le Koyoka n'a dit qu'il n'y a pas de Koyoka. Allô, mais. Que ferais-je? Mon beau fils, ça va faire maintenant 2 semaines et 2 jours que tu nous as remis notre fille sous la colère. Et personne ne pourra te blâmer pour tes actes. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais il y a un adage qui dit, quand tu châties avec ta main gauche, ta main droite est là pour rapprocher la personne. S'il te plaît, je te demande de t'apaiser. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Nous te supplions de venir reprendre ta femme. Nous l'avons conseillée et on l'a beaucoup grondée. Elle ne fera plus ça. N'est-ce pas, mon frère? Oh oui, tu as vraiment raison. Ogo, quand un enfant se comporte mal,
on le reprend après l'avoir châtié dans l'amour. Voici ce que je dis. Personnellement, je te supplie, s'il te plaît, elle n'est que jeune et elle n'est pas à l'abri des erreurs. Oui, bien entendu. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Mais s'il te plaît, je veux que tu oublies ce qui s'est passé et laisse la vie continuer. Oui, Yangwana Benza. S'il te plaît. S'il te plaît, essaie de lui donner cette dernière chance. Et je t'assure qu'elle changera. Elle te sera fidèle, s'il te plaît. Ok. Je vous ai entendu. Mais vous devez d'abord rentrer. Je vais y penser et revenir vers vous plus tard. Oui, qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que ça va. Merci, on a compris. Nous avons parfaitement compris ce que tu as dit et on espère te voir. On t'attend. Merci beaucoup. Aïna, allons-y. Au revoir. Allons-y, allons-y. Mais pourquoi il pouvait partir? Mais pourquoi il pouvait m'abandonner et disparaître? Ma soeur, ça va aller. Arrête de pleurer, ça va aller. Moi, je sais qu'il reviendra. 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines que je n'ai pas de ses nouvelles. Je ne l'ai plus revu. Il ne se dérange même pas d'entrer en contact avec moi. Je ne sais même pas comment il se porte maintenant. Je ne sais pas s'il est toujours vivant ou il est déjà mort. Il est en vie, il n'est pas mort. Ok, allez, Biko. Dis-toi que où qu'il soit, il est sain et sauf. Mais pourquoi il ne m'appelle même pas? Il va t'appeler. Moi, je crois qu'il va t'appeler. Biko, non. C'est juste à cause d'Ikem. Mais ma famille ne veut plus de moi. Ils m'ont abandonné. Ils ne s'inquiètent même pas pour moi. Tu es la seule personne qui quitte la maison de son mari pour venir me rendre visite. Je ne sais même pas ce qu'il veut que je fasse. Il m'a abandonné. Ou peut-être qu'il veut que je me tue. C'est ce qu'il veut. C'est sans effet. Tu ne vas pas te tuer. Je sais que tout le monde le voit comme étant une erreur. Mais moi, j'ai toujours cru que les enfants sont des dons du ciel. Mais où est-il? Oh, ma soeur. Où est mon don du ciel? Où est-il? Ekem, ton fils devrait être ta source de bonheur et non pas une source de chagrin, de tension et de pleurs. Il m'a abandonné. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Il va revenir. Qu'est-ce qui arrivera si Ekem est mort? Qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi. Il reviendra. Mais comment il peut m'oublier aussi facilement comme ça? C'est quoi lui? Il s'en va pas. Attends, mon con. Attends, le coup, c'est la nini. Allô? Mon cher, je veux bien. C'est juste que je réfléchissais à propos de ce que tu m'avais dit. Mon cher, ça ne sera pas du tout possible. Je crois en toi. Et je t'aime toujours. C'est juste que c'est vraiment très... Oui. Oui. Ikem, je crois que tu n'es pas en train de me tromper. Je sais. Obiadjulu. Quoi? Obiadjulu. Tous ces appels, secrets que tu te planques pour faire. Et c'est nous la kebao. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Et qu'est-ce que tu penses? Je t'ai juste dit mon raisonnement. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Parce que papa fait de tout son mieux pour que tu rentres à la maison de ton mari. Peu importe ce que tu veux. Vas-y et pense-y. Ce n'est pas ton problème. Je te dis, oh, continue de faire ça. Ikem, je ne pense pas que c'est bien pour toi de laisser ta mère dans l'obscurité.
appelle-la. Qu'elle sache au moins comment tu vas. Elle est la raison pour laquelle je me retrouve d'abord dans ce pétrin. Quel est ce mal qu'elle t'a fait? Pourquoi me ferait-elle venir dans ce monde sans un père? Pourquoi me ferait-elle venir dans ce monde pour que je sois ridiculisé, intimidé et traité comme un paria? Pourquoi me faire venir dans cette vie remplie de trous et de douleurs? C'est bon, mon cher. C'est bon, Ikem. Écoute, je ne veux plus que tu puisses pleurer. Tout ce que je veux que tu saches, aucune mère ne peut souhaiter mettre au monde un enfant et ensuite l'abandonner. Aucune mère ne peut souhaiter malheur à son propre fils. Ton père et les siens t'ont rejeté. La famille de ta mère t'a rejeté. Ce n'était pas de sa volonté, Ikem. Ce n'était pas de sa volonté. J'aimerais aujourd'hui te faire savoir qu'elle est également une victime. Appelle-la, qu'elle sache au moins où tu es. Ne pas l'appeler lui ajoute encore beaucoup de malheur. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Je vais l'appeler. Mais pas maintenant. C'est bon pour moi. Hé, hey, Ifumanyam, reste un peu avec moi, non? Hey, si tu pars, ça sera encore très dur pour moi. Je vais passer toute la nuit à pleurer. Ma soeur, je n'ai pas averti mon mari que j'allais passer la nuit ici. Hey, toi, tu peux utiliser mon téléphone pour l'appeler, non? Attends, tu vas l'appeler. Tu n'es que... Ok. Et que mes fous m'appellent. Hey, je te l'avais dit. Allô? Maman, bonjour. Comment tu vas? Hein? Où es-tu? Je te cherchais partout. Je vais bien, ça c'est pas important. Aïe, on te salue pour la nini. J'ai appelé ton numéro, ça fait un bon bout de temps, mais ça ne passait pas. L'important est que je vais bien. Simon, donc tu ne veux même pas parler à ta propre mère? C'est comme ça que je le veux, maman. Ce qui importe est que je vais bien, je suis informé, je t'appellerai. Et quiconque. Et chaque fois que je vais parler à cette personne. T'ai-je fait quelque chose de mal? Maman, c'est ça ma décision. Ikemefuna, où es-tu? Biko, dis-moi tu es où? Dis-moi non, comme ça je vais venir te voir. Maman, c'est pas ce qui importe pour le moment. Hein? Comme je l'ai déjà dit, à chaque fois que je vais te parler ou bien je vais te voir, je rendrai ça possible. Pour le moment, je vais être seul. Ok, y a pas de problème. Mais ta tante est là, elle est venue te voir, elle veut parler avec toi. Je ne veux parler à personne, maman, bye bye. Hé, hey, Simon. Dieu merci, Dieu merci ma soeur, il est en vie. En plus tu écoutais sa voix, tu vas bien dormir cette nuit. Tu as raison. Mais je l'avais averti. Je l'avais averti à propos de cette fille, mais il ne voulait pas écouter. Hein? Imagine qu'il est allé dans le toit conjugal d'un homme pour coucher avec sa femme. Hey, je n'en reviens pas. Tu peux attraper les choses. Ça va aller. Hein? Tout ira très bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Es-tu sûre? Je ne sais pas comment te dire ceci ou bien. Mais la vérité est que, en t'écoutant me parler, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais pas comment cela s'est arrivé, mais je me suis rendu compte que je ne peux pas passer une journée sans penser à toi. Je suis désolé si je vais trop loin. Mais ce que je sens pour toi est très profond et je ne peux pas l'exprimer. Je ressens aussi la même chose que toi. C'est vrai? Oui. Je veux toujours être la raison de ton bonheur. Je veux toujours être cette femme qui ne va pas t'abandonner. Je sais très bien que tu as des très bonnes choses que tu portes en toi. De plus en plus que je m'attache à toi, c'est de plus en plus que je remarque que tu es une créature unique. Plein d'amour,
plein de compassion, plein d'attention. Je ne saurais plus être loin de toi. Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire à propos? Parce que je suis certain que tes parents ne vont jamais laisser ce rêve se réaliser. Toi et moi, nous le savons. Mais penser de te perdre à jamais me fait peur à mourir. J'y ai pensé aussi, ça fait beaucoup de temps maintenant. Et j'avais pris une décision. J'ai pris la décision de suivre ce que mon cœur désire. Je veux dire, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai décidé de me battre juste pour vraiment te reconquérir. Oh mon Dieu. Elle-même telle que je l'aime, donc je pense que qu'on doit l'accorder une chance. Ouais. Ça ne va pas marcher. Non. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Donc tu ne comprends pas ce que je dis? Regarde, oh, tu dois arrêter cette relation. Maintenant que c'est encore début. Pour éviter à ce que ton cœur soit brisé par le chagrin. Comment? Quel chagrin? De quoi parles-tu, maman? Arrête de me demander comme ça. Donc tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de parler? Ne sais-tu pas? Je ne le sais pas. C'est vrai ça, tu ne sais pas. Tu fais semblant ou quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Attends, qu'est-ce que tu dis? Que je reste comme ça? Que je ne me marie plus? Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas m'approcher, donc je dois vivre comme ça jusqu'à mourir. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, que dis-tu? Regarde, laisse-moi te dire, cette chose est vraiment impossible. Aussi impossible que séparer un chameau de passer par les trous d'une aiguille. De même, c'est impossible pour toi d'épouser cette fille. Je ne sais même pas s'il nous aime. Pourquoi tu veux entrer dans tout ce stress alors que tu pouvais aussi en passer facilement? Ok, quelle est la manière la plus simple, maman? Un moyen simple. Maintenant, tu reviens à tes sens. Écoute, je pense aller dans un village lointain, peut-être une personne comme Apakaneke, et te trouver une femme. Tu sais, les femmes d'Apakaneke sont belles, géantes et de bosseuses. Tu vas te trouver une femme à ton goût et qui répondra à tes critères. Un mariage heureux, le bonheur trouvé, et tu seras en paix. Moi, aller à Bakaneke. Tu sais que tu ne m'aimes pas. C'est-à-dire? Tu ne m'aimes pas un tout petit peu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc si j'amène une fille d'Abakiliki, tu vas la laisser vivre avec lui? Et pourquoi pas? Ces femmes travaillent beaucoup et elles sont très attentionnées. Tu sais que tu as la raison. Tu sais que c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Tu le sais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je suis la cause de tout ça? Tu me demandes ce que je veux dire par là? Oui. Ok. Je vais aller épouser une fille d'Abakiliki. Okumani. Tu m'aimes vraiment? Femi. Femi, où es-tu? Tu vois? Le temps passé me revient. Ça ferait mieux de revenir, oh, parce que le fils que tu m'as laissé commence à me questionner. Hey! Je suis perdue. Les filles d'Abakaliki sont belles et travaillent beaucoup. Et les Kaliki, qu'est-ce que tu racontes, oh? Elles sont préparées, oh. Elles vont prendre bien soin de moi. Patia, détends-toi, oh. Hey! On doit trouver une femme dans ce village. On doit épouser l'une d'elles. Elles sont plus que celles que tu as ici. Ha! Viens ici. Viens. Papa, bonsoir. Oublie la salutation. Tu vas où? Je voulais un peu aller prendre le bois. Pour chercher des fagots de bois? Oh, maintenant tu cherches des fagots de bois tous les jours. Tu cherches des fagots de bois chaque jour, n'est-ce pas? Et ceux que nous avons dans la maison, est-ce qu'ils sont finis? Papa, on n'a pas besoin de finir ce qu'il y a derrière avant de chercher d'autres. Hein? Tu penses que je ne connais pas ton plan? Toi? Tu veux sortir pour quoi que ce soit et revenir quand tu veux? Non, papa. Je vais rentrer après avoir pris le bois que je cherche. Tais-toi. Si je ne te vois pas ici dans 30 minutes, ce que je te ferai quand tu seras finalement revenu, tu seras choqué.
Papa, t'inquiète, je reviens, je ne veux pas traîner. Prends soin de toi. Tu seras content si j'emmène les bois, papa, j'arrive, hein. Qu'est-ce qui t'arrive à Ikemefuna? Ça fait beaucoup de temps que j'étais en train de l'attendre ici. Je dois commencer à partir avant que mon père ne commence à s'inquiéter. Né, s'il te plaît, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Né, s'il te plaît, ne te fâche pas, hein. As-tu vu Ikemefuna en venant ici? C'est qui Ikemefuna? Tu ne connais pas qui est Ikemefuna? Je connais pas. Le fils de tante Neka. Oh, le bâtard. Il ne pas le... Ah, je suis désolée, mais je ne l'ai pas vu. J'ai toujours entendu parler de lui comme le bâtard. Bonjour, maman. Bon après-midi. Qui es-tu et tu cherches quoi? Je... Oh, mais pourquoi tu te caches derrière l'arbre? Comme une voleuse. Il voit ça? Il voit ça? Non, 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 tu as quoi ça? Je suis venue voir Ikemefuna. Je crois qu'il est là. Désolée pour l'incident. Tu es venue voir Ikemefuna? Mais pourquoi tu ne viens pas directement à la maison? Ikemefuna n'est pas là. Désolée. Dis quelque chose, non? Dis quelque chose. Où est-il parti? Comment je saurai là où il est parti? Comment saurais-je? C'est un jeune homme. Je sais seulement qu'il n'est pas là. Ok. Désolée. S'il vous plaît, s'il venait, dites-lui que j'étais passée. Que je lui dise que tu étais venue, hein? T'en fais pas, je lui dirai. Ok. Merci, maman. Ikemefuna, tout ce qu'il suit, c'est la pauvre Rine.
et il pense qu'il s'y connaît. Tu ne maîtrises encore rien, garçon. Apprends de la vieille école. Kias, elle est venue chercher mon fils. Qu'il est fou. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Imagine ces acheteurs de viande. Je me demande s'ils se sont réunis contre moi ou quoi. J'arrive. Adieu, Alain. Chasser quoi? Maman, j'arrive. Je suis en retard. Que j'aille vérifier mes pièges. Elle était ici. Hein? Je crois qu'elle t'attendait et tu n'es pas venu. Elle s'est décidée de venir te chercher ici. Ça fait déjà longtemps qu'elle est partie. Mais je crois qu'elle est déjà à la maison. Maman, il faut que j'aille la voir. Il n'y a que des pieds. Et encore. Tu vas venir ramasser ta manchette toi-même à ton retour. Mon frère Omega, s'il te plaît, pardonne-lui juste pour aujourd'hui. Laisse-la aller se reposer à la maison, juste pour moi. Tiedi, tu dois me comprendre. Elle doit rester sur cette position jusqu'à ce qu'elle apprenne à écouter. Ce qui est plus énervant est que je l'ai prévenue quand elle partait. Pourtant, elle allait faire ce qu'elle a voulu, ce qui était sa pensée. Papa, je ne suis pas partie quelque part. Tu vas te tu vas voir. Non, calme-toi, s'il te plaît, mon frère. Tu vois, avec les enfants partout, c'est la même chose. S'il te plaît, pardonne-lui, elle souffre. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et qu'est-ce qui t'a retenu jusqu'à présent? Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? Hey! Ah, Odigo, aie pitié, non? Aie pitié, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle fait même avec ce garçon? Hey. Quelle relation a-t-elle avec ce garçon? Elle ne va pas se marier avec le garçon. Mba. Supposons qu'elle tombe enceinte. N'en arrive pas là, s'il te plaît. Je t'en prie, non. Oncle, s'il te plaît, supplie papa pour moi. Supplie-le, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en prie. Bonjour, père. Qui est ton père? Et que veux-tu dans ma maison? Qu'est-ce que tu veux dans ma maison? Je viens pour voir Obiadjoulou. Tu es venu voir Obiadjoulou? Ah! Voilà Obiadjoulou. Tu es libre de la voir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu puni pour quelque chose? S'il te plaît, pas maintenant avant que tu me sortes ici. S'il te plaît, pas comment maintenant. Comment tu as toujours ça sur ta tête? Et tu me dis. Hey! Papa! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quoi? Tu veux détruire non, ma fille? Pas du tout. Tu veux détruire ma vie de ma fille? Tu veux ruiner la vie de ma fille? Non, seul espoir qui fait ma fierté. Non, c'est pas vrai. C'est ce que tu veux détruire? Non. Laisse-moi te dire. Je vais te ruiner ici et maintenant. S'il vous plaît. Je vais te tuer. Laisse-moi partir ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas croiser les bras. S'il vous plaît, pourquoi me tuer? Faut pas me tuer. Non, papa, pardon. Faut pas me tuer, s'il vous plaît. Vas-tu venir encore dans ma maison? Je vais plus dans votre quartier. Je n'approcherai plus cet endroit. Je vous promets. Qui est là-bas? Je dis, qui est là-bas? Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et toi, papa, entre dans la chambre. Entre. Cours, je dis. Cours. Toi, Yoruba, tu es venu détruire ma fille. Ne vas-tu pas aller dans ton village natal? Ne vas-tu pas aller à Djebourde? Pas seulement Djebou, Djebourde. Bâtard de Djebou. Va là-bas pour chercher ta femme. Pas ma propre fille. Tu veux la séduire avec la viande sauvage. Maman, tu sais que moi, je serai un homme en ce moment. Allez, arrête ça. Ce n'est pas vrai. Es-tu un coq? Hein? Un cafard ou un antilope de la forêt? Ok, tu vois. Maman, le monsieur était furieux. Il fallait le voir. Il a failli m'abattre. Bigo, arrête ça. N'es-tu pas un homme? Et pourquoi il peut faire ça? Est-ce que j'ai accouché un demi-homme? Hein? Est-ce que j'ai accouché un fantôme? Qu'est-ce que je raconte même là? Est-ce que c'était son propre fils Ebuka? Allais-tu le braquer l'arme? Ou même un autre jeune homme de ce village? Hein? Pourquoi il peut faire ça? Je sais, ils font tout ça juste parce que tu n'as pas un père.
Oui, c'est ça, non? Vont-ils nous tuer pour ça, hein? C'est de ma faute. Je blâme Femi. Tout ça, c'est la faute de Femi. C'est Femi et sa stupide famille que je blâme. Ça va, maman. Ça ne va pas. Arrête de me dire que ça va. C'est pourquoi tu me maltraites. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ça va. C'est mon propre enfant. Ça va. Et tu fous pour qu'il se permette de te braquer là. Mais il a failli m'abattre. Arrête ça, il m'a déjà tué même. Maman, ça va, s'il te plaît, s'il te plaît. Obia Julu. L'une des raisons de te pardonner est que c'est parce que c'est toi qui connais le secret de mon ventre. Au commencement, je pensais que ta mère était la meilleure cuisinière dans le monde. Mais tu m'as prouvé le contraire. Merci, papa. Je... J'aimerais parler avec toi à propos de quelque chose. Bien. Dans cette humeur, il n'y a rien que je ne puisse te dire. Donc, demande ce que tu veux, je vais te répondre. Je peux même te dire le secret que je ne vais pas dire à ta mère de son vivant séjour. Si je n'avais pas intervenu, tu allais tirer sur Ikemefuna? Tu vois, ma fille, il y a certaines choses qui sont faites sous l'effet de la colère, mais que l'on regrette après. Franchement, j'étais énervé. J'étais mise en colère par le garçon-là. Mais je ne peux pas te dire maintenant que j'allais tirer sur lui ou non. Je ne peux pas le dire. Tu parles vraiment beaucoup de ma mère. Pourquoi est-ce que ça t'arrive? Pourquoi l'avais-tu épousée? Ne touche pas ce côté, ma fille. Non, c'est un point de ne pas se lever. Ta mère et moi, nous étions le meilleur livre d'amour que chacun, tout le monde dans ce village pouvait lire. Nous étions très amoureux. Naturellement, en toute franchise, je sens toujours sa présence, bien qu'elle ne soit plus. Et je suis très sûr que là où elle est maintenant, elle sent toujours l'amour. Oui, même dans l'au-delà. Papa, sais-tu que tes enfants doivent aussi épouser ceux dont ils aiment, de la même façon que tu avais épousé maman? Le garçon là. Aimer ce garçon est une erreur. Il y a plusieurs garçons, de grands garçons qui réussissent bien en ville, qui peuvent venir t'aimer, t'épouser, te prendre et t'amener en ville pour devenir quelque chose. Et tu sortiras de ce village. Non, un garçon qui est un bon à rien. Un bâtard Didier Bourdé. Tu m'entends? S'il te plaît, je veux te supplier. Ne gâche pas cette bonne humeur. Laisse-moi savourer ce repas.
réellement l'amour envers une mauvaise personne. Moi, je sais réellement que c'est mon amour. Ma vie. Mon tout. Mais je l'aime énormément. De plus en plus, on m'empêche d'être avec lui. C'est de plus en plus que je ressens de l'amour pour lui. Ikem, pourquoi avais-tu choisi de venir sur cette terre dans cette manière? Pourquoi tu es considéré comme un fils qui n'a jamais eu un père? Dans toutes ces choses, mon amour pour toi persiste. Every future, yeah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mauvais rêve. Ça doit être un mauvais rêve. Non, rallonge-toi. Dors. Rallonge-toi. Le matin, je vais enlever toutes ces choses. Vais-je vraiment tenir cette promesse? Pourquoi ai-je même accepté de ne plus jamais m'approcher d'elle? Maintenant, je lui ai donné moi-même le permis de me tuer. N'importe quel jour, il me voit encore approcher sa fille. Elle est vraiment celle pour qui je dois risquer ma vie. Mais je l'aime. Je l'aime tellement que mes jours passés sans la voir sont insignifiants. Que dois-je faire maintenant? J'ai pensé de ça toute la nuit. Et j'ai pris une décision. Quoi? Mon cœur, s'il te plaît, ne me le cache pas. Comme je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Comme tu es la seule qui me donne la joie et le bonheur. Comme tu es la seule qui me donne le courage de vivre au lieu de mourir. Je suis prêt à tout faire pour te garder. Mourir pour toi n'est pas un grand souci pour moi en ce moment. Et ce ne sont pas des milliers de menaces de ton père qui va changer ça. Honnêtement, je suis prêt à te donner ma vie. Stop! Stop, mon amour! Tu ne vas pas mourir pour moi. Personne n'a le droit de te tuer. Et mon père ne faisait que t'effrayer. Crois-moi, ils font tout pour nous empêcher, mais ils ne peuvent pas. Mes pensées que ne sont que sur toi. Rien du tout. Et aussi, personne ne peut nous empêcher. Je te promets. Personne. Personne. Ma soeur, attends un peu. Depuis que je suis arrivée à la maison, je n'ai pas vu Ikem. Tout ce que Mefuna fait ces jours, c'est poursuivre Obiagajuru. Ça, c'est le départ de mon problème. Obiagajuru. C'est qui Obiagajuru? L'unique fille de Omekaza, non? Hey! Et Amandé du Kambo. C'est sérieux? Très sérieux. J'ai entendu des histoires d'amour. Mais crois-moi, celle-ci est très réelle. L'amour est tellement fort. Mon problème, c'est qu'on ne nous aime pas dans ce village. Tu comprends ce que ça veut dire, que ça ne va pas marcher. Plus j'essaie de le séparer, le plus... Ils deviennent inséparables. C'est ici où mon problème commence. Ma soeur, qu'est-ce que Mazé Omeka dit à ce problème? Mazé Omeka a osé... de tirer sur mon fils. Tirer comme on tire des animaux dans la forêt pendant la chasse. C'est que les gens disent à propos de nous, au carré. C'est vrai. Oh Dieu. Soyez totalement la musée pour nous assurer l'eau. Les petits Roméo et Juliette. Oui, mais les soleils Roméo et Juliette. Il y a moins de la journée.
Moi, le mot, c'est incroyable. Tu peux voir, mais qu'il commence à l'appeler Roméo à la place de Kemefuna. Et Kemefuna, Roméo. Mon nom est comme Roméo. Roméo, Roméo. Juliette, Juliette. Et Kemefuna est en train de tourner un vrai film d'amour. Et Kemefuna. Regarde-le. Regarde-le. Je te l'avais dit. Maman, bonjour. Tantine, bonjour. Ikem. Ikem. Me voici. Ikem. Ikem, comment tu vas? Je vais bien, tantine. Non, ne regarde pas, maman. Elengue, moi, si vous allez, Zananio. Tante, voici Obiadiolo. La fille de Mazi Omeka. Elle est celle que je vais épouser. Épouser, tu dis? Ikem, tu parles déjà de mariage. Ah oui? Ah, je ne prends pas de l'âge, j'ai presque 30 ans. Duneo. Ikem, je connais ton âge. Hein? Mais le mariage n'est pas quelque chose dans laquelle on se précipite. Tu as ta maman qui est là pour te guider, comme ça tu ne vas pas faire d'erreur. Kokanisate, liba les années qui vont venir. Ibsayo. Hein? Ibsayo. Tu es à moi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? J'ai apporté beaucoup. C'est à l'intérieur. Hey, je ne peux pas attendre, bébé. Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Ils sont allés dans la maison, tu vois. Tu m'avais rien dit. Je l'ai fait. C'est fou. Arrête de mentir. Ah. Tu es en train de t'approcher de chez nous. Je sais. Je vais t'accompagner jusqu'à votre maison. Comment? Je vais t'accompagner jusqu'à la maison de ton père. Je veux qu'il nous voit ensemble à nouveau. Es-tu sûr que tu veux faire ça? Je pense qu'il est temps que nous fassions de ceci une habitude. J'ai pris ma décision. Si je péris, tant mieux. Tu es en train de sortir? Bon, bonjour, père. Ikem, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Écoute-moi. La meilleure manière de régler un problème est de l'affronter face à face. On ne règle pas un problème en le fuyant. On règle un problème en l'affrontant. Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Hein? Tu veux dire? Vas-y, va vite avant qu'il ne rentre ici. Dépêche-toi. Viens, on y va à l'intérieur. Il nous a vus. Il nous a vus. Il y a quoi? Allons-y. Allons-y. Mon frère, cette situation devient compliquée. Et je ne sais plus quoi faire. J'ai même essayé de le menacer. J'ai menacé de le tuer. Et il a promis de ne plus venir dans ma maison. Et de ne plus jamais s'approcher de ma fille. Juste hier. Et aujourd'hui, il est rentré avec elle? Il n'est pas seulement venu avec ma fille, il tenait la main de ma fille. Comme s'il était déjà des époux et épouses. Tchineke, les enfants de nos jours, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de respect, ils n'ont plus de crainte pour les anciens. Tu as raison, mon frère. Mais j'aimerais te suggérer de les laisser tranquilles. Peut-être que leur amour est plus fort. Tchadé, qu'est-ce que tu viens de dire? Que je laisse tranquille. Mais puisque tu as dit que tu as beau essayer, mais s'il n'arrête pas, alors que faire? Que Yamadi aura te frappe de mort. Tu viens de me maudire? Bien sûr, que Yamadi aura te frappe de mort et je suis pas prêt à le retirer.
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une malédiction de ta part? Pourquoi ne pas lui donner ta fille en mariage? Puisque tu ne sais pas ce que tu as fait. Mauvais ami. J'essaie juste de te donner un conseil. Et tu me maudis pour ça. Garde ton conseil d'ami avec toi. Je n'en ai pas besoin. Va les tuer, non? C'est ce que tu veux faire. Va les tuer. Miao. Vous avez perdu votre route ou quoi? Je ne trompe pas de chemin. Je ne trompe pas de chemin. Je suis bienvenu pour te voir. Alors, je dois être vivante pour voir le merveille dans ce monde. Écoute, Neka, ce n'est pas une visite de courtoisie. Et je ne m'attendais pas à ça de toi. Ton fils me défie. Neka, ton fils me défie. Il a eu le culot de tenir la main de ma fille à ma présence. Que moi, Omen Kaflenang, je ne peux rien lui faire. Qui est-il? Ne sachant pas le danger dans lequel il se plonge. Dans tous les cas, écoute.